Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Est-ce que nous sommes dans la joie dans sa présence? Alléluia! Non, vous ne répondez pas. Alléluia! Amen. Vous semblez être plus fatigué que moi. Et pourtant, moi, je n'ai pas mangé. Amen. Amen. Nous tous, nous n'avons pas mangé. Mais, je ressens plus de fatigue parce que je jeûne depuis le 4 janvier. Je suis toujours dans le jeûne. Donc, nous devons continuer à servir Dieu malgré la fatigue, la faiblesse dans les corps. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter. Amen. Nous prenons nos Bibles dans des Colossiens. Qu'est-ce que je dis? Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9 jusqu'au verset 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie par lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge, 16, au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En lisant ces textes au verset 11, nous voyons qu'il y a des dépouillements. Le premier dépouillement, c'est au niveau de l'homme. On dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez? Mais il faut réagir. Amen. Le deuxième dépouillement, c'est où? Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Nous les humains, nous avons été dépouillés. N'est-ce pas? De la force du péché, de la force de la chair, des œuvres de la chair. Les autorités ont été dépouillées de leur puissance et de leur autorité. Nous, en recevant les dépouillements de Christ, en bénéficiant de ces dépouillements, il nous a dotés d'une autre puissance. On a été dépouillés des œuvres de la chair pour recevoir, n'est-ce pas, le manteau de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, afin d'être en mesure d'opérer comme des autorités spirituelles. Parce que le combat spirituel, le problème du combat spirituel, c'est un problème d'autorité. C'est un problème de niveau spirituel. Est-ce que vous êtes là? Si vous n'avez pas de niveau, vous ne pouvez pas combattre contre certains esprits. Hier, je vous ai parlé des combats élémentaires. Il y a un deuxième niveau, des hommes forts. Mais il y a aussi le combat des hommes forts et intelligents. Dans les combats élémentaires, tout le monde peut dire, je chasse les démons, je chasse les... Tout le monde fait ça. Mais dans les combats des hommes forts, il faut vous attendre, comme j'ai dit dans Actes 16 hier. Vous les chassez, on vous attaque. Vous les chassez, on vous crée des faux problèmes. Vous les chassez, on vous accuse faussement. Selon Jean 16, comme c'était hier, avec les apôtres, ils ont libéré une femme, délivré une femme qui avait un esprit de python. Et qu'est-ce qui est arrivé par après? On les a accusés faussement. On les a traînés comme n'importe qui. On les a traités sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Il y avait des gens, n'est-ce pas, qui bénéficiaient du service de cette femme. Vous pensez que lorsque vous chassez les entités, les démons, les esprits, que le monde des ténèbres vous acclame. Ah, vous travaillez bien, vous êtes fort. Le diable ne vous acclame pas. Il va changer de stratégie pour vous avoir. Quand vous les chassez loin de votre maison,
vous remportez la victoire. Vous pensez que le monde des ténèbres va vous acclamer? Non. Ce que le diable veut, c'est que vous n'ayez pas la vie de prière. Ce que le diable veut, c'est que vous soyez faible spirituellement. Ce que le diable veut, c'est que vous soyez contrôlé par son monde. Dans Éphésiens chapitre 6, on n'a pas laissé notre texte, on est toujours dans notre texte. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On va nous projeter ça. Moi, je vais lire selon la version de Parole de Vie, deux versions que j'ai ici que je vais vous lire. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Hein? Contre les autorités 2, contre les princes de ce monde 3, le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 4. Je prends maintenant ma version. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Donc on te dit, ce n'est pas contre des humains. Les combats spirituels, dans ces domaines où on parle, il a dépouillé les dominations et les autorités, nous ne parlons pas de lutter contre les humains, contre ton prochain, vouloir du mal, non pas ça. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Est-ce que vous suivez la version? C'est pour ça que quand tu lis seulement dans une version, tu vois, tu auras toujours une autre pensée. Mais ça sera peut-être clair à un moment, mais plus tu auras des versions, plus tu auras la clarté du verset. L'autre version dit ceci. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Est-ce que vous me suivez? Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritables agents du quartier général du mal. Lorsque vous lisez dans cette version, vous avez une autre idée de ce que nous venons de lire dans la version de Louis II. Est-ce que vous êtes avec moi? On nous parle que nous luttons contre les dictateurs invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui veulent dominer à tout prix. Des dictateurs, des esprits. Et vous savez, quand on parle de la dictature, ce sont des régimes autoritaires où vous n'avez pas de volonté. Où c'est toujours les idées d'un seul qui prime. N'est-ce pas? Et ici, lorsqu'on nous parle que ces esprits sont des dictateurs, c'est-à-dire ce sont des esprits qui veulent dominer et s'imposer. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à sanctionner. C'est contre ces esprits-là que nous nous combattons. Mais nous combattons avec eux dans quelle position? Nous ne sommes pas ignorants de ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit, dans la version des sermons, dans notre texte de base, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Dans la parole de vie, la Bible dit, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son fils. Là maintenant, on peut progresser maintenant dans la parole. Amen. Donc nous comprenons que nous avons affaire à des gens qui sont vaincus. Ils sont déjà vaincus, mais ils restent quand même en fonction. Et comme ils sont en fonction, même le Seigneur reconnaît qu'ils sont en fonction. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 24, Jésus reconnaît qu'ils sont en fonction. Et Jésus va dire, lorsqu'on va lui dire ou bien l'accuser qu'il chassait les démons par Belzébul, Jésus va dire non. Regardez un peu ma Bible, comment c'est déchiré. Ça a beaucoup de succès. J'aime ça. J'aime ça. Verset 24, on dit,
Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé. Écoutez la conclusion, verset 26. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si ça, Jésus est en train de dire, si les diables, vous pensez que Jésus est en train de dire, oh, vous ne connaissez pas les diables, donc moi je cherche les démons par Belzébul. Qu'est-ce que vous croyez? Si les diables est désorganisé, il n'aura pas de royaume. Si les diables n'est pas organisé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il n'y a pas d'ordre chez Satan, mais le diable ne pourra pas avancer. Jésus sait que le diable avait vu l'organisation du ciel. Le diable a vécu avec Dieu ou Lucifer. C'était un agent de Dieu, un ange du Seigneur. Il n'a pas perdu l'organisation. Ne pensez pas que l'organisation, c'est juste quelque chose qui découle de Dieu comme ça. Le diable a tout copié. Vous pouvez aller dans certains milieux, ici dans ce monde, vous entrez, vous trouvez des gens bien habillés avec des costumes et des cravates. Parlant un bon français, des hommes très intelligents. Mais les serviteurs du diable à un niveau très élevé avec les français académiques. Et quand vous les voyez comme ça, vous pensez qu'ils sont, ils ont le cœur d'aimer les prochains. Non! Tout ce qu'ils ont dans la tête, et c'est là la bêtise que le diable impose dans les gens. Ils peuvent occuper des positions, n'est-ce pas, de gloire, d'autorité, mais tout ce qu'ils auront à faire, c'est de chercher non l'intérêt de la communauté, mais l'intérêt de leur poche. Vous comprenez? C'est là que le diable contrôle plusieurs personnes. Ils vont croire qu'ils contrôlent le monde, mais c'est le diable et c'est les démons qui contrôlent leur vie. Le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Nous combattons contre ceux-là qui gouvernent le monde de la nuit. Comme je viens de vous les lire. Les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Ils gouvernent le monde spirituel. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Paul va dire dans Colossiens chapitre 1er. Il dit ceci, verset 16, Colossiens, 1er 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, ça c'est l'organisation de Dieu. Il a créé les trônes, les dignités, les dominations. Il a créé son empire, son royaume. Et quand le diable pêche, il est chassé, il garde l'information, il veut copier. Mais il ne sait pas sur quoi Dieu a bâti son royaume. Copier, ce n'est pas un problème. Tu peux reproduire quelque chose comme l'original. Ça c'est de la contrefaçon, n'est-ce pas? Et des contrefacteurs seront punis. Vous êtes d'accord avec moi? La contrefaçon est interdite par Dieu, par même la société. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait toujours. Le diable, tout ce que vous voyez le diable faire, il ne fait que copier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner l'intelligence de créer, d'inventer des choses qui n'existaient pas encore? Alléluia. Dieu est tellement Dieu qu'il dépasse Satan de loin. Ne pensez pas que tout ce qui existe dans le monde, c'est le diable qui a inspiré ça. Alléluia. Dieu est derrière beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que le diable fait? Dieu a inspiré beaucoup de... Vous savez, Dieu a inspiré beaucoup de choses dans le monde. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il usurpe, il vient voler les gens qui dirigent la société. Par quoi? Par l'occultisme, par son organisation.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il détourne tout ce que Dieu a donné à l'homme pour sa gloire. Et l'homme reste ignorant. Au lieu de donner la gloire à Dieu qui lui a donné cette intelligence, il veut donner cette gloire à Satan. Raison pour laquelle vous voyez le diable bien réussir ses coups. Il n'attend pas que vous terminiez les études pour aller les chercher. Il vient à votre université, dans votre université, il impose son bureau au culte et là on recrute des adeptes. Raison pour laquelle aujourd'hui dans les universités, dans la plupart des universités, vous êtes parents, lorsqu'on dit amener les enfants à l'église au pasteur, vous le faites pour vous. Parce qu'à l'université, votre enfant peut vous étonner. À l'université, il y a l'occultisme. On initie plusieurs jeunes dans l'occultisme. À l'époque, on pensait que l'occultisme, c'était les choses, n'est-ce pas, des hommes politiques. Mais ce n'est pas ça. Actuellement, plusieurs jeunes sont des occultes. Je regardais l'autre fois des photos sur Internet avec ma femme de certains jeunes d'une certaine université aux États-Unis. Les jeunes, là, parmi ces jeunes, nous, on connaît un jeune. Mais ces jeunes qui est parmi ces autres jeunes, et tous, lorsqu'ils prenaient leurs photos, ils faisaient des signes occultes. Et dans cette université, si vous terminez, si vous êtes dans ces loges-là, qui est dans cette université, vous aurez vos bagues, vous avez des fêtes, vous avez des activités, et vous avez la garantie d'avoir toujours le travail. Et plusieurs jeunes adhèrent à ça. Et vous le voyez, ils finissent l'université. Ils ont toujours le bon boulot. Ils ne font rien de bizarre pour vous étonner. Ils n'ont peut-être pas de chambre secrète chez eux. Mais ils appartiennent à cet ordre-là spirituel. Et le fait d'appartenir à cet ordre, ils travaillent pour cette entreprise spirituelle du diable. C'est comme ça que le diable a pris l'option de contrôler les intelligents, les intelligences de ce monde, les hommes intelligents de ce monde, de diriger les dirigeants de ce monde, de les contrôler spirituellement. En leur faisant croire qu'il leur donnera le pouvoir, plus de longévité. Je n'ai pas vu un président vivre 125 ans sur la terre. Je n'ai pas vu un roi vivre 200 ans sur la terre. Tous ceux qui dirigent les PDG, les hommes riches de ce monde, finissent par mourir, même malgré leur argent. Et c'est que le diable trompe. Il le fait seulement voir la richesse, les biens matériels. Et eux perdent la raison à cause de ces choses. La société est malade. Et la solution ne peut pas venir des dirigeants de ce monde. La solution ne viendra que de l'église. Et l'église a ignoré sa mission. L'église est là pour arrêter pas mal de choses dans la société. Mais l'église a accepté de prendre la deuxième place ou la dernière. Parler rapidement de le dépouillement, le désarmement de Satan. Dieu l'a fait à travers le Seigneur Jésus-Christ pour nous rendre capables de le servir sur la terre sans être inquiété par quoi que ce soit. La domination signifie forcer une opinion ou imposer une volonté sur les autres. Les autorités spirituelles sont des esprits supérieurs dans les gouvernements sataniques qui ont le pouvoir de diriger et de faire exécuter la volonté de Satan dans ce monde. Si on parle de la classification, je dirais, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Les princes de ces ténèbres sont des démons qui dirigent des régions géographiques attribuées à des groupes, à des tribus, à des ethnies. Et chaque région du monde a ses réalités, chaque région a ses combats bien précis. Et c'est à l'église de stopper ces forces spirituelles. Les dominations et les autorités, ce sont ceux-là du gouvernement satanique. Comme il a vu Dieu faire une organisation, le diable fait aussi s'organiser. Alléluia. Comme il fait s'organiser, il impose cela. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne combattez pas contre un ignorant. Vous combattez contre quelqu'un qui est très organisé.
Alléluia. Alors que la croix était déjà venue, Christ est mort, il est ressuscité. L'apôtre Paul nous écrit pour nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que Paul a voulu dire ici? Paul a voulu dire ceci. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Mais vous ne devez pas négliger cela. Vous devez continuer à prier. Parce que le diable n'est pas encore lié. Je vous ai dit hier, on l'a dégradé, on a enlevé ses galons, quand on l'a dit, mais il garde la tenue. Il garde sa formation militaire. Il sait comment combattre. Il a la ruse avec lui. 2 Corinthiens 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est un ennemi très, très courageux afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a la ruse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra par toutes sortes de voies pour nous toucher. D'où viennent les autorités spirituelles? Je vous ai parlé déjà dans Colossiens 2, verset 16 ici. Donc Dieu a créé les choses visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination et autorité. Il y a des choses que nous ne connaissons pas vraiment bien. Est-ce que vous êtes avec moi? En lisant les Écritures, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Que nous ne connaissons pas vraiment. Mais que nous découvrirons au jour du Seigneur, dans son royaume. Alléluia. Il a créé des trônes de dignité. Et le diable a vu tout ça. Il a voulu copier. Et qu'est-ce qu'il fait? Par l'organisation spirituelle, le diable dirige l'organisation de ce monde. J'ai un jour suivi un film où on présentait un homme qui dirigeait une entreprise. Cet homme était un démon. Mais lorsqu'il dirigeait l'entreprise, c'était un homme bien cravaté, un homme beau, très bien. Mais un jour, il a été provoqué. Et c'était ce jour-là, n'est-ce pas, qu'il a manifesté sa colère. Il s'est transformé. Il a révélé qu'il avait une queue. Il a révélé qu'il était immonde, il était horrible. Alors que les gens le voyaient beau. Mais à l'intérieur, c'était un démon. Je vais aller loin. Je dirai aux jeunes filles, parce que nous parlons qu'il a dépouillé les dominations des autorités de ta famille ou de nos familles. Il ne faut pas aller avec n'importe qui parce qu'il vous demande le mariage directement, précipitamment, sans vérification, sans quoi que ce soit. Directement, allez, vous commencez à vivre comme si vous étiez marié. Quelqu'un peut me dire amen. Si vous allez sortir avec un démon, mais physiquement. C'est-à-dire quelqu'un qui vient dans le monde, mais qui prend une forme humaine, qui opère. Il y a beaucoup d'activités sataniques dans ces temps de la fin. La séduction est venue dans ce monde à un niveau très élevé pour séduire même les élus. Et pour séduire les élus, le diable met les paquets pour la séduction. Où vous voyez quelqu'un qui vient à l'église avec beaucoup d'argent soutenant l'église, mais pour contrôler l'église plus tard. Si l'église n'a pas la vie de prière, l'église tombera entre les mains de cet individu. Et il pourra commencer à imposer les contrôles dans l'église. Diriger les pasteurs, diriger même les dirigeants de l'église. Pourquoi? À cause de sa poche, de son argent. J'ai prié Dieu que l'église chrétienne de ces temps de la fin ait beaucoup d'argent. Nous avons besoin de partenaires, des gens qui ont beaucoup d'argent. Pour ne pas tomber dans les pièges où on apprend certains hommes, serviteurs, pour atteindre des objectifs, ils n'ont qu'à pécher avec certaines femmes qui veulent ça. Qui conditionnent leur don par l'impudicité ou l'adultère. Le monde est tellement pollué que le diable est en train de faire sa volonté, même dans l'église de Dieu. Raison pour laquelle je n'accepte pas et je ne crois pas qu'une église chrétienne, une église qui marche Jésus-Christ sur la terre, reste sans gêner, sans avoir de moments d'enseignement pour
profond. Je ne crois pas à ça. Et ces gens d'église n'iront pas de l'avant. On va développer l'aspect charnel dans l'église. On va vivre dans les péchés. Et le diable va commencer à contrôler, à dominer même l'église. On sera l'église de Dieu, mais le diable sera à l'intérieur. Les pasteurs seront envoûtés, les collaborateurs envoûtés. Et dans ce genre d'église, on peut s'empoisonner. On peut se faire du mal. Parce que l'ennemi ne viendra pas de manière physique. Il vient de manière infiltrée. Il entre dans nos pensées. Il entre dans nos esprits. Il entre dans nos caractères. Il entre dans nos comportements. Il nous influence comme ça. Il passe par l'ordinateur. Tu vas passer 8 heures du temps devant ton ordi. Tu ne sais pas même pas ce que tu fais. Et quand on te parle de la prière, tu ne veux même pas entendre parler. Mais tu viens de passer 8 heures. 4 heures du temps devant l'ordinateur. Qu'est-ce que tu faisais? Nous devons savoir que les choses invisibles influencent, existent avant les choses visibles. Le diable est un imitateur. Et lors de sa rébellion, il a entraîné même certains anges qui ne pouvaient pas les suivre. Alors imaginez un instant le type de séduction qu'il a utilisé pour convaincre les anges de Dieu, les anges qui sont puissants à les suivre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a organisé son royaume. Et il a placé des dirigeants de son gouvernement chargés de trouver des stratégies pour détruire la société par la base qui est la famille. Il a son armée avec ses vaillants généraux, des officiers, des soldats, d'anges déchus, qui sont prêts à exécuter sa volonté sans attendre. Si Dieu est conscient de la présence de Satan et de ses démons, alors prenons cela au sérieux. Car ce sont des esprits qui travaillent dans la discrétion sans se faire remarquer. De la même façon que tu crois aux anges de Dieu, de la même façon que tu crois au Saint-Esprit, je viens te dire que tu dois savoir que les anges déçus, que le diable et ce monde existent réellement. Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste pas de temps. Il n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille d'arrache-pied pour attirer plusieurs vers lui. Avant de venir ici, j'ai ouvert les livres de pasteur Jérémie Soudril. Je crois dans le jour de 12 juillet, comme les livres ici à l'église. Il parle d'une femme d'un couple qui ne mettait pas au monde depuis lorsque Dieu les a bénis. Il dit, Dieu les a bénis, ils ont eu un enfant. Dès qu'ils ont eu l'enfant, lisez à vous qui avez acheté le livre de pasteur Soudril. 12 juillet. Il dit, lorsque Dieu leur a béni, ils ont trouvé toutes sortes d'alibis et d'explications pour ne pas venir à l'église, pour ne plus venir à l'église. Oh, les bébés, oh, l'enfant, l'enfant ne se porte pas bien. Jérémie a tout écrit. J'ai dit, ah, je pensais que c'était seulement nous. Donc lui aussi, il a connu ce genre de choses. Il a dit, les bébés, l'enfant. Toutes sortes d'explications pour justifier qu'on a les bébés. Il a dit, ne faites pas de la bénédiction. Lisez bien. Ne faites pas de la bénédiction de Dieu une occasion de vivre dans les péchés ou de vous éloigner de l'église. Ne faites jamais ça. C'est trop décevant. Des fois, vous allez gêner prier pour quelqu'un. Dès qu'il a la chose, il commence à vous zapper. Il ne veut même pas voir votre appel. Des fois, on devient arrogant envers les pasteurs. Et que le Seigneur t'enlève même ce travail-là. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Parce que certaines personnes, il faut prier comme ça. C'est comme j'ai dit dans plusieurs de mes prédications. Certaines personnes, moi, j'ai prié Dieu pour qu'ils ne voyaient même pas. Qu'ils restent dans leur pays. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas un mauvais cœur. C'est de l'amour pour ces gens. Je les aime tellement, j'ai prié Dieu pour qu'ils ne voyaient pas ces bien-aimés-là. Parce que là où ils sont chrétiens. S'ils arrivent au Canada ou à Paris, dans un pays développé. Parce que vous savez, l'effet d'avoir seulement son appartement, certaines personnes n'aiment pas ça. Il y a des saisons, dès qu'ils ont seulement l'appartement, la télécommande entre ses mains, ils se rendent compte que c'est ma télé, c'est ma chambre, c'est mon salon. Ah, mais il me reste alors de m'amuser. C'est fini. Vous allez perdre les frères qui craignaient Dieu. Qui change du coup.
raison pour laquelle j'ai dit, certaines personnes, dans leur souffrance, que Dieu les traite dans leur souffrance, qu'il les aide dans cette souffrance, qu'ils restent dans cet endroit-là. Pour qu'ils gardent la foi. Parce que certaines délivrances, lorsque vous libérez certaines personnes, ils commencent à manger tous les jours le fromage, ils oublient que Dieu les a déplacés des moments de souffrance. Il y a de ces choses, quand Dieu les fait, vous mangez tous les jours le jambon. Moi, je ne mange pas ça, je vous l'ai dit. Je ne mange pas ça. Mais vous le prenez souvent, quand vous mangez, vous oubliez qu'il y a seulement quelques années ou quelques mois, tu n'avais pas le jambon devant toi. Et ce sont des petites choses comme ça, les jambons, les céréales, les biscuits, qu'on peut manger facilement, les chocolats, qui écartent les gens de la présence de Dieu. On boit du lait tous les jours, on oublie qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas boire du lait. Et quand ils vont prier, vous attendez l'appel du pasteur. Un chrétien qui vient à l'église, qui attend ce que son pasteur l'appelle chaque fois pour qu'il vienne à l'église. Alors là, il faut lui imposer la nourriture, mais il n'a pas force. Comme je prends mon fils, je lui mets la cuillère dans la bouche, tu vas manger. Parce que tu ne peux pas rester bébé, je n'ai pas besoin que tu restes comme ça. Alléluia. Il y a de ces niveaux, lorsque vous les atteignez, vous devenez mature. Vous avez l'autorité spirituelle en vous. Vous ne pouvez plus descendre au niveau des petits démons de base. Alléluia. Vous ne pouvez plus descendre au niveau de combat élémentaire. Nous atteignons le niveau de combat intelligent. Sakaramasa. Vous pouvez arriver quelque part. Vous comprenez l'esprit qui règne dans un milieu. Alléluia. Hier, pendant que je prêchais, j'ai eu des messages. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas les dire. Et sur des personnes, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas les dire parce que ça va te créer des soucis. Mais j'ai compris l'esprit de ces deux personnes. Mais je prie encore la nuit pour ça. J'ai dit, tout le monde qui vient à la promesse, ne vient pas prier. Je vois et je sais. Dieu me parle. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu m'a confirmé hier par une personne de l'église. Quand j'ai vérifié l'information, j'ai dit, oh gloire au Seigneur, merci. Parce qu'il m'a, vient de me confirmer. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici à l'église qui vient prier. Non, 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 non. Ne pensez pas aussi quand on ne vous dit rien qu'on ne sait rien. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas à ça. Lorsqu'il n'y a rien qu'on dit, ne pensez pas qu'il n'y a rien à dire. Des fois, Dieu dit, il ne faut pas dire, il faut attendre. Alléluia. Sakorabasa. Tu vois, sœur Esther, il ne faut pas murmurer. Dieu ne veut même pas de ça. Même si ça souffre dans ton cœur, dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne veut pas de ça. Le murmure, Dieu n'aime pas ça. Quand tu murmures, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas te plaindre. Dieu ne t'a pas traité dans l'oubli. Dieu te connaît. Tout à l'heure, quand Dieu te cherchait, tu étais où? Tu n'étais pas là. Il ne faut pas vous plaindre de certains problèmes. Considérez l'Éternel qui vous aime. Il n'a pas déplacé Jésus-Christ pour une partie de poker. Non, c'est pour une mission. Libérer ta vie. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire aujourd'hui que les démons de ta famille sauront que toi tu as choisi l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Un jour ma famille était dans une cérémonie. Il y avait tous les membres de la famille de mon père. Et on avait invité un pasteur. Il s'est passé des choses démoniaques dans notre famille. Et ces jours-là, c'était les grands jours où il fallait se décider. Est-ce que ces gens devaient continuer à vivre les démons comme ça? Ou il fallait traiter les problèmes? Parce que tout le monde disait que ce n'est pas lui qui faisait ça dans notre famille. Mais qui le faisait? Comme je dis souvent aux gens, ça nous a pris du temps pour sortir du monde des démons. Nous, chez nous, tu viens, tu dors. Comme on dit dans mon pays, il faut piquer. Ça dit qu'il faut être fort. Si tu n'as pas un cœur dur, tu ne sauras pas dormir. C'est pour ça que j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ah, lui c'est un sorcier, ou bien il a des fétiches. J'ai dit, regardez, si je t'ai fait beaucoup de mal, attaque-moi la nuit, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est parce que je vous complique la vie, raison pour laquelle vous me traitez de sorcier ou bien de fétiches. C'est normal. On a dit même à Jésus qu'il avait l'esprit de Belzébul, c'est normal. Ma
famille, on a souffert pendant un long moment où les démons, il y avait les chefs de la famille qui régnaient. Et mon père, on l'appelait président. Président de famille. Mais quand, plus tard, ici au Canada, après que mon père était malade, le Seigneur m'a parlé, je suis allé voir mon père, le Seigneur m'a parlé de lui poser des questions sur l'arbre de la famille. Je lui pose des questions. Papa, regarde ça, Dieu m'a dit de te poser des questions. Je pose des questions avec ma mère, c'est là que j'ai appris maintenant des choses. Ils ont commencé à m'expliquer des choses. Logiquement, il était censé être chef coutumier. Son père a été tué parce qu'il a refusé d'être chef coutumier. Je crois même que son grand-père a été, le grand-père de mon père a été aussi tué parce qu'il a refusé d'être chef coutumier. Tu ne peux pas refuser, c'est dans la famille, tu dois être chef coutumier. Et maintenant, plus tard, mon père arrive, les gens du village dans la capitale l'appelaient président. Parce qu'ils voulaient tous dépendre de cet esprit de chefferie de la famille. Et un jour, on lui demande de faire un sacrifice, un don d'une chèvre. Vous êtes là. Dans la naïveté, il a prévu de donner. Son cousin qui avait compris qu'il était aussi pasteur à l'époque, lui a dit, ne dis pas que c'est moi, mais donne pas. Si tu donnes, je t'ai déjà dit, ils ont déjà fait un complot. Vous pouvez avoir un cœur de donner quelque chose, mais vous ne savez pas que vous donnez qui. Vous donnez votre enfant, vous vendez votre fille. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme vous le pensez. Par un geste d'amour symbolique de votre part, vous pouvez livrer votre fille. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet exemple que je vais donner encore, un des cousins, parce que dans la famille de mon père, la sorcellerie, moi j'ai la sorcellerie là. Ne me blaguez pas. Parce que nous, on a grandi en dormant au salon. On dort tous les jours avec les parents. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver la nuit, mais vous dormez ensemble. Alléluia. Ma mère est là, il n'y a pas de mensonge, elle est là. Le grand cousin de mon père débarque, c'est un autre cousin. La nuit, il demande la nourriture. Oh non, qu'on ne peut pas. Vous savez, chez les Africains, surtout les Kassaïens, quand un aîné arrive comme ça, vous devez préparer. Ne pas préparer, c'est vous paraissez pour une mauvaise femme. Je ne dis pas qu'il ne faut plus préparer pour les gens. Il faut préparer. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Je vous informe parce que maintenant, nous sommes en Jésus-Christ avec une autorité spirituelle très développée, très avancée. Amen. Il débarque là, on prépare la nourriture. En fait, tous étaient dans les combines de la sorcellerie. Mais ceux-là qui recevaient cet aîné ne savaient pas qu'il les avait piégés. Il est venu leur donner la mort qu'il avait afin de récupérer la vie d'un de leurs enfants. Il a mangé. Il est parti. La même nuit, l'enfant a piqué une crise, il est mort. Vous êtes là. Le papa directement a compris. Ah, c'est les toutous qui étaient venus ici qui avaient fait ça. Parce que et tous, ils savent qu'ils sont dedans. Mais malgré la sorcellerie, ils n'avaient pas compris. C'est là qu'ils vont se cogner les têtes. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais dire à quelqu'un que quelles sont les dominations, les autorités de la famille qui régissent votre famille. Vous savez que dans votre famille, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous marier sans qu'il y ait ça. Lorsque un mari meurt, lorsque quelqu'un meurt, vous devez tous faire telle chose. Toi, à partir d'aujourd'hui, ne le fais plus. Nous ne dépendons pas de ces traditions-là. Et surtout de ces traditions où il y a la sorcellerie. Nous vivons la sorcellerie comme ça. On va vous préparer soi-disant la viande sans mettre de l'huile. On prépare des choses sans mettre du sel. Ou bien on met un peu du sel. Juste avec de l'eau comme ça. Je faisais la défense d'un jeune dont les pères étaient riches, souvent ministres au pays. Un jour, je l'ai reçu en Afrique au bureau et puis on parlait à deux. Je parle avec lui. Puis j'ai dit, je vais commencer à prier pour toi. Je commence à prier pour ce jeune homme, on n'était qu'à deux. Il me dit, à chaque fois que son père était nommé, avant qu'il soit nommé, il est réveillé à 5h du matin pour qu'il mange la viande préparée. Des fois, les coques préparées, sans ouvrir l'intérieur, on gardait les tout. On n'y mettait pas de l'huile que du sel. Et puis on leur coupait chacun sa partie, quoi. Le petit morceau.
Et puis ils mangeaient, ils étaient nombreux. Tu vois, beau garçon. Beau garçon. Mais contrôlé par les esprits. Et ce jour-là, j'étais avec lui. C'était la guerre entre les esprits de son père et l'esprit qui était en moi. Nous nous sommes battus sévèrement. Parce que vous savez, des fois, lorsque vous vous battez comme ça, vous en sortez fatigué. Je me suis battu, j'ai chassé les esprits. Il y a un frère qui est venu me trouver. Pendant que je chassais les esprits, le gars, il écumait, il sortait la salive, il allait comme s'il allait mourir. Le frère est allé appeler d'autres serviteurs pour leur dire, mais là-bas, c'est rien de problème. Hein? Frère tel qui vient là, il va mourir là-bas si vous n'allez pas. Lui, avec les trucs de délivrance, il ne veut pas arrêter. J'ai traité les problèmes avec les démons de son père. Nous avons dealé ces jours-là. Et je vous assure qu'on parlait avec eux. Pourquoi vous êtes là? Ils ne veulent pas sortir. Pourquoi vous êtes là? On ne va pas sortir. J'ai dit, vous allez sortir. Vous savez, des moments, il y a des moments quand vous négociez avec des démons, vous ne leur donnez pas des... Vous savez, j'ai suivi un film où on l'appelle négociateur. Un preneur d'otages a pris les otages. Vous êtes les négociateurs. Vous débarquez, vous ne lui donnez pas de possibilités. Vous avez toutes les armes possibles pour les sortir de là. Ce n'était pas un combat de blagues de niveau élémentaire, non. Ça, c'était un combat des hommes forts et intelligents. Pendant que j'attaquais, à un moment donné, vous savez, dans la délivrance, une personne peut lâcher sa vie. On peut en mourir. Et là, on voulait faire comme si on voulait tuer les gars. J'ai dit, vous n'allez pas l'emporter. Ici, c'est un domaine très avancé. Je m'y connais bien, vous allez voir. Parce qu'il y a d'autres concentrations qui arrivent dans la délivrance lorsqu'on veut emmener quelqu'un. Vous devez comprendre bien la délivrance, sinon vous allez perdre la personne. Je me suis reconcentré encore davantage. Là, je ne priais même plus en français. C'était vraiment les langues. J'ai tenu ses mains à la tête. J'ai dit, maintenant, Dieu va s'occuper de toi. Les démons ne bougent, la personne ne bougeait plus. La personne s'était refroidie. J'ai prié, concentré. À un moment donné, les esprits se sont manifestés. Ils ont parlé, ils ont crié, ils sont sortis. Et le jeune homme m'a parlé maintenant de tout ce qu'il venait de voir. Comment Dieu l'avait libéré, où est-ce qu'il était enchaîné. Vous savez, Dieu fait des choses. Même si on ne croit pas à l'œuvre de Jésus-Christ, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre les familles. Il a envoyé Jésus à la croix pour libérer ta famille. Il n'est pas allé blaguer à la croix. Tous ceux-là qui nous combattaient, tous ceux-là qui attaquaient ma famille. Quand le Seigneur a donné des menaces, ils n'avaient pas compris. Mais lorsqu'ils ont commencé à tomber un à un. Et vous savez, un jour, l'un d'entre eux a crié pour dire que mon père, avant de mourir, mon père l'a tué. Avant de mourir, la personne a crié, Eli, c'est mon père, Eli m'a tué. Eli t'a tué comment? Parce que toi, tu es allé traquer la famille d'Eli. Maintenant, dans la famille d'Eli, ils se sont associés avec certains serviteurs de Dieu. On a envoyé un puissant feu sur toi. Tu en sors avec des dommages terribles dans ton corps. Maintenant, tu ne peux plus vivre. Tu es démasqué, neutralisé, paralysé. C'est pour ça que pendant que tu suis cette parole, ne panique pas. Tout cela qui te traque, pendant que tu suis cette parole, moi je les traque par la parole tant que je te parle là. Comme j'ai été attaqué, j'ai failli mourir, mais je n'ai pas été tué. Je suis comme Moïse ce soir, je te parle pour que tu saches que tu sortiras de ton Égypte. Ceux-là qui te combattent seront terrorisés par le Seigneur. Dieu enverra sa terreur devant tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Que ceux-là qui te combattent tombent sous ton pouvoir. Domine au milieu de tes adversaires. Sache-le aujourd'hui que tu as l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. N'aie plus peur. Nous avons autorité, Karabasha, Karamasata. Nous avons autorité. Tu as l'autorité. Pour contrôler la société, le diable et son monde ont choisi de contrôler les dirigeants de ce monde. Tous les présidents de ce monde sont contrôlés par le diable. Je lisais un manuel où on disait que Ronald Reagan, lorsqu'il était président, il avait un voyant qu'il consultait et c'était pas connu aux États-Unis. Avant de prendre toute décision, il devait consulter son voyant.
On raconte que là, à la Maison Blanche, il y a des voyants. Et ce n'est pas quelque chose qui commence d'aujourd'hui. Même les rois de la Bible avaient des voyants. Tu ne peux pas occuper certaines positions dans le monde sans avoir des voyants. Des gens qui sont de l'avenir. Et David avait ses voyants comme Samuel, comme Nathan. Est-ce que vous êtes avec moi? On a besoin de ça. Nous, un peuple de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre des fois certaines décisions qu'ils ont prises par les politiques afin de les contraindre spirituellement, de neutraliser leurs mauvaises décisions. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il multiplie des crimes de guerre parce qu'ils ont besoin du sang. Et qu'est-ce que les chrétiens voient? Ils ne font rien. Oh non, non, on reste dans les dénominations. Nous, on est pentecôtistes, mais nous ne pouvons pas prier comme ça. Nous, on est baptistes, nous ne pouvons pas prier comme ça. Nous, on est adventistes. Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Ce que Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes de l'esprit, nés de nouveau, des chrétiens véritables, authentiques, qui les cherchent en vérité et en esprit. Des gens qui pourront changer le monde. Dieu n'a rien à voir avec les baptistes, méthodistes, pentecôtistes, protestants. Je sais qui. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec ça. Ça n'a rien changé. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Ou vous regardez la dénomination? Et des fois on s'accroche. Si la dénomination, moi j'ai pris dans telle église. L'église de Philadelphie. Église la promesse. Église la ronde. Église le feu. Gloire. Église ainsi de suite, l'oracle, église étoile. On peut donner toutes sortes de noms, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la réalité de l'intérieur. Est-ce qu'il y a Jésus-Christ? Est-ce qu'on comprend Jésus? Est-ce qu'on continue à vivre la vie chrétienne? Ou c'est seulement église, église? Est-ce qu'on évolue avec Dieu? Et nous le voyons dans la prise des décisions et dans leurs actions. Ils ne font rien. Là où le sang coule tous les jours, parce que cela contribue énormément à l'avancement de leur royaume spirituel. Comment voulez-vous, on tue des gens dans certains coins du monde, vous allez voir les mêmes politiciens rien dire, rien faire. Ça circule même sur Internet. Vous voyez là-bas, chez les Arabes, on tue des gens dans certains coins du monde où on tue des chrétiens, on tue des gens, il est passé par là. On ne va rien faire. Lorsqu'on tue seulement une seule personne dans leur terre, territoire, dans leur pays. Ça devient l'histoire du monde entier. Pourquoi toi tu veux qu'on pleure tes fils? Mais lorsque mes fils tombent, tu ne veux pas qu'on les pleure. Pourquoi tes fils sont plus importants que mes fils? Christ n'est pas venu seulement pour tes fils. Il est venu pour les fils de tout le monde. Il est venu pour tout le monde, pour l'humanité. Et il y a une chose que je vous ai dit l'autre fois. Dans Esclaves ou Libres, vous allez comprendre dans mon livre que je suis en train d'écrire. Mais ça me fait mal de voir que, je vous ai dit l'autre fois, ça c'est noir, n'est-ce pas? Ça c'est blanc. Mais il n'y a aucun blanc blanc comme ça. Il n'y a aucun blanc comme ça. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver un blanc blanc comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu un blanc blanc comme ça? Montrez-moi ces blancs-là. Mais vous allez comprendre que ce sont des choses qu'on impose dans l'homme. Tout ce qui est noir, c'est ce qui est un peu retardé. C'est ça qu'on vous colle. Il ne faut pas vivre comme ça. L'essentiel pour vous, c'est que vous avez la couleur que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes comme ça? Comme ça, regardez ici. Mais vous devez apprendre à comprendre que Christ nous a libérés de toute cette manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, que nous avons appris dans ce monde. Il nous a délivrés. En Christ, nous sommes un seul peuple. Et vous allez voir au ciel ce que on sera. Comment vous serez? Il y a des gens, vous allez vous découvrir, vous êtes. J'étais vraiment comme ça. Oui. Vous ne serez pas complexé. Le complexe là sera totalement enlevé.
Alléluia. Le contrôle des familles par la tradition, par des pratiques inspirées par des esprits démoniaques. Quelqu'un qui a grandi dans un monde sans entrer en contact avec un autre milieu de la société pourra croire que les démons, les mal n'existaient pas. Si vous avez grandi dans un pays, ou si vous avez grandi comme nos enfants ici, qui ont grandi immenses lorsqu'ils veulent manger. Donc, pour eux, du lait, c'est normal. Avoir les céréales, c'est normal. C'est dans leur tête. Mais ils vont vous les amener dans un pays d'Afrique. J'ai vu une famille débarquer de l'Europe, venir en Afrique, avec des enfants. Les enfants étaient bien propres, français. Mais après quelques temps, lorsque ça ne marchait vraiment pas, soit il n'y avait pas de l'eau, vous savez en Afrique comment s'organiser l'eau. Il y avait des jours où il n'y avait pas d'eau. Ils devaient venir chercher de l'eau chez nous, ou se laver chez nous. Ou des fois lorsque les parents n'avaient plus l'argent. Vous voyez les enfants, ils ont les français. Ils n'ont plus la tenue des français. Les français étaient là, ce qu'ils parlaient. Mais tout à l'extérieur était autre. Des fois, ça prend qu'on traverse des moments comme ça pour qu'on comprenne la réalité de la vie. Vous ne pouvez pas dire que le monde des ténèbres n'existe pas alors que la parole en parle. Christ n'est pas allé à la croix pour blaguer. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il en a fini avec les démons de ta famille. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez la statue en question. N'importe. Vous voyez ça, cette statue. Ça, c'est normal. Hein? On a pris l'option de mettre ça dans une des villes aux États-Unis. Et on présente les enfants qui adorent cette divinité. Et les rappeurs présentent ça à tous les jeunes. Il y a les symboles de ça dans leur ceinture, dans leurs habits. Ils sont contents. Yo, yo, c'est ça. Mais ça détruit. C'est l'idolâtrie, n'est-ce pas? On impose ça dans une ville. Les symboles de certains bâtiments que vous voyez dans certains milieux, dans certaines villes, représentent des sociétés secrètes qui contrôlent ces pays. C'est ce qu'on appelle des dominations. Des princes. Les princes, lisez dans Daniel chapitre 10. Lorsqu'il dit les princes de Perse, ce sont des esprits qui contrôlent des régions géographiques. Alléluia. Alors lorsqu'on le diable commence à quitter l'étape de se cacher, il dit je ne me casse plus. Ce qui était honteux hier est devenu normal aujourd'hui. Parler des démons hier de Satan en public, c'était gênant. Voir la marche des occultistes maçonniques ou je ne sais quoi était gênant. Mais aujourd'hui, ils peuvent marcher. Ils ont leur statut partout. Et ça, c'est maintenant public aux États-Unis. L'autre, deuxième. Ça, c'est, je crois, c'est à New York. All Street, donc on vient de mettre ça. Maintenant, vous savez qu'est-ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente? Quoi? Ça représente les finances. Hein? Donc ça veut dire que la prospérité est liée à cet animal. Maintenant, retournez dans Exode. Quand Moïse était parti dans la montagne, il est allé à la montagne adorer Dieu. En bas, Aaron, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a fait la pression, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse faire un veau. Vous êtes avec moi? Un veau. Regardez cette histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre? On veut nous ramener dans ce qui était condamné dans le passé. Pour ramener l'idolâtrie dans la société. Ainsi, il faut comprendre, dans le monde spirituel, le domaine spirituel, les signes et les symboles parlent beaucoup
Et ce sont des canalisateurs, ou bien des catalysateurs, des esprits qui canalisent les démons, qui canalisent les puissances. Ça, c'est une représentation d'un esprit supérieur dans le monde démoniaque, des dominations des autorités. En d'autres termes, ce sont juste des choses qui symbolisent la présence satanique dans un milieu. Vous avez dit que c'est doré, c'est bien fait, c'est artistiquement parlant, c'est très bien. Vous avez utilisé toutes sortes de français que vous maîtrisez bien. Mais c'est démoniaque. C'est le mot qu'il faut. Et c'est de ça que je parle. La société vit dans ça. Il y a un truc du genre pyramidal comme ça que vous voyez aux États-Unis, que vous voyez en France. Et en France, ça venait de l'Égypte. Ils sont allés prendre ça en Égypte. Vous pensez pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est les berceaux de l'occultisme. Et ces gens, à l'époque, avaient développé l'occultisme à un niveau très élevé. Et ils ont aussi voulu avoir ces trucs chez eux. Ils vont transporter ça dans les bateaux. Si tu trouves ça, Nelly, tu balances ça. Ils ont transporté ça jusque chez eux. Juste pour avoir une représentation physique des entités spirituelles. La statue de la liberté. Quelle liberté? Faites attention avec les déesses. Faites attention. Vous savez, ce qui est intéressant avec l'homme blanc, c'est qu'il est, il casse les choses, mais proprement. Ça passe un message. Pour eux, c'est un lieu occulte qui attire des forces et qui permet la prospérité de la ville ou bien du pays. Mais pour vous, c'est un lieu touristique. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour vous, j'étais à Paris. C'est invalide. J'étais à Paris, à Tour Eiffel. Aux États-Unis. Vous voyez les trucs là? Regardez comment c'est pointu. Regardez, ça représente la pyramide. Et c'est pas pour rien. C'est sec. Ça veut dire, nous sommes dans une société qui est contrôlée. Et ces choses représentent le monde des autorités, des dominations spirituelles qui contrôlent la société et les politiciens de ce monde. Les décideurs de nos sociétés sont eux-mêmes sous le contrôle. Des fois, ils font des choses sans les vouloir. Des fois, ils font des choses parce qu'ils sont poussés, ils n'ont pas le choix. Il y a des chambres secrètes qui décident sur beaucoup de choses que vous vivez. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a des chambres qui commandent des choses. Raison pour laquelle, pour finir notre message, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 à 31. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Il y a des choses que l'Église doit faire. Alléluia. Il y a des choses que l'Église doit faire. L'Église ne peut pas continuer, les chrétiens ne peuvent pas continuer à vivre les mêmes choses. Ils ont des choses à faire. Et puis Ézéchiel 22, 30. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, devant de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces. Et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu. Car glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est timide parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre, c'est-à-dire les dirigeants, se sont soulevés et
les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Vous voyez, c'est-à-dire les autorités se sont levées contre l'église. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main. Vous voyez, comme je vous dis depuis là, que Dieu contrôle l'histoire. On dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Waouh! Pendant qu'ils vont accomplir leur volonté, c'était seulement arrêté d'avance. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Continue. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec la peur, avec une pleine hésitation, avec une pleine assurance. Comment? En étendant ta main pour qu'il se fasse de quoi? Alors ne venez pas me dire, que personne ne me dise que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne peut plus délivrer. En faisant quoi? Qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Et ça nous présente l'attitude de l'église. Lorsque les autorités se lèvent, l'église doit entrer dans la prière. L'église doit prier. Les apôtres ont prié pour accuser à Dieu, accuser les politiciens, accuser Hérode, Pilate, leur dire à Dieu plutôt, qu'ils ont fait ou ils veulent faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déjà arrêté. Seigneur, vois leur menace. Accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Qu'on expérimente les miracles, les guérisons, les prodiges. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Ézéchiel 22, 30. L'église, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu cherche pas des intercesseurs prophétiques. L'église est appelée à réparer les dégâts et les dommages causés par l'industrie satanique dans la société. Sinon, l'avenir des enfants ou de cette société sera catastrophique. L'église du Seigneur doit faire ces choses. 1. L'église doit prier ou intercéder prophétiquement pour la société. L'église doit gêner et livrer un combat spirituel de haut niveau contre les dominations, les autorités, les principautés qui dirigent certains pays, certains milieux et surtout les décideurs. Et ce combat, ça sera un combat intelligent, c'est-à-dire des gens qui prient pour les décideurs de ce monde, des gens qui décident. Vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui décident. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais c'est eux qui décident. S'ils disent que vous, là où vous êtes là, votre pays, ça va changer demain. Ça va changer demain. Même si vous sautez, vous dansez, ça va changer demain. Parce qu'eux, ils ont décidé. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Imaginez-vous maintenant, on se dit, nous, on ne va pas sortir d'ici. On ne travaille pas. On dort à terre. Seigneur, nous ne sortons pas d'ici si tu ne descends pas. Il y a de ces choses, bien-aimés. Quand vous sentez qu'ils veulent vous tuer, vous êtes vraiment prêt à mourir. Et tu dis, si je sors, ils vont m'abattre, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je dois faire? J'ai même plus besoin de manger. Manger, c'est un plus important. Alors je dors à terre en gêne. Le jour que je me lèverai, ce sera des gens qui vont m'apporter, qui vont me prendre, qui vont me mettre sur un brancard pour me sortir de là, soit m'amener à l'hôpital. Seigneur, je sortirai d'ici qu'après avoir vécu les miracles, la puissance. Il y a certains démons que vous devez torturer dans les chaînes. Certains esprits, vous devez les troubler par les prières. Quand vous gênez, vous priez, vous dérangez le monde occulte, vous dérangez le monde des ténèbres. Vous allez voir quelqu'un qui commence à vous menacer. Mais toi, cet enfant, tu es compliqué, toi. Toi, je ne t'aime pas. Toi, tu es bizarre, toi. Toi, tu es un enfant têtu. Tu n'es pas têtu. C'est un problème des esprits. Ton esprit et son esprit ne se marient pas. Il sait ce qu'il voit. Il essaye, mais il n'arrive pas. Parce que ce qui est en toi est très puissant. Tu vois quelqu'un détester ta fille.
oh non, commence à blâmer ta fille. Non, tu ne sais pas. Peut-être ta fille a honte de te dire. C'est un agent du diable. C'est un pédophile. C'est un occulte. Il a voulu abuser spirituellement de ta fille. Et l'esprit l'a rejeté. Il y a des choses. Des fois que les parents, vous ne comprenez pas. Mais si vous réveillez, vous allez comprendre que le monde est méchant. Vous pouvez voir quelqu'un venir chez vous. Il vient déposer quelque chose de bizarre dans votre enfant. Pour commencer à l'utiliser dès son jeune âge. Enfin de se faire l'argent. Comme quelqu'un disait, la sorcellerie d'aujourd'hui ne suit plus de famille. On chasse l'étoile même en dehors de sa famille. Mais pas dans ma famille. Tu oses. Comme j'ai dit toujours, j'ai déjà libéré des paroles qui sont suspendues sur les miens. Si tu viens, tu veux opérer, ces paroles-là les accompagnent. Que j'ai pris, que je ne prie pas. J'ai déjà dit, ces paroles-là les accompagnent. Tu attaques, je dors sur la terre pour toi. Il faut vraiment que tu aies des muscles spirituels parce que je m'exerce tous les jours spirituellement. Tu attaques, je commence à t'attaquer. Je vais parler à 20h. On va parler, on va rigoler. Mais dès que minuit arrive, crois-moi, c'est sérieux. Je vais me mettre là, tu ne vas pas croire que je ne vais pas dormir jusqu'à 5h du matin. Et je l'ai dit, c'est sérieux. Je vais me mettre à chicoter la prière. Je vais prier. Ma femme, elle sait. Je dis, tu veux dormir? Tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Je vais circuler dans la maison. Je sens la fatigue, je rentre dans le couloir, je vais dans la cuisine. Je quitte la cuisine, je retourne au salon. Je quitte le salon, je retourne dans ma chambre. Je chicote la prière. Moi, ce que je fais, je suis en train d'opérer. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais moi, je continue à faire. Je n'ai pas besoin de sentir ni de voir. J'ai besoin de travailler. Parce que lorsque Christ était à la croix, le diable, Pilate et le monde, les ténèbres, pensaient l'avoir vaincu. Mais oh, c'était lui qui désarmait leur armée, qui désarmait le diable, qui désarmait les ténèbres. Vous avez entre vos mains la puissance qui terrasse les démons. Vous avez entre vos mains la puissance qui trouble les sorciers. Vous avez entre vos mains l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit supérieur. Déjà, il élève ma tête au-dessus des Kadabasata, de mes adversaires. Et je domine au milieu de tous ceux-là qui me détestent. C'est pour cela que dès que vous arrivez dans certains milieux, on vous déteste, mais on ne vous supporte pas. Mais ils n'ont pas le choix que de vous respecter. Ils ne vous aiment pas, ils vous critiquent. Vous savez qu'ils vous critiquent. Eux aussi savent que tu sais qu'ils te critiquent. Mais quand tu arrives là, l'autorité que tu as posée sur toi, les contrôles, tu les gères. Que le Seigneur t'accompagne avec une telle autorité, Xousia, qui t'accorde cela. Il te l'a accordé à la croix. Tu es assis avec Dieu dans une position royale. Tu es assis, je parle à quelqu'un. La Bible dit ceci. Écoutez, je vais conclure par ça. La Bible dit ceci. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Comme je vous ai dit, être assis, c'est une position de gloire. Et des fois, tu peux t'asseoir comme ça. Donc, c'est juste pour dire que tu es à l'aise d'opérer. Tu ne t'agites pas parce que c'est toi qui diriges. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. S'asseoir, ce n'est pas être debout. S'asseoir, c'est comme ça. Je suis assis, là je suis assis. Ça veut dire que je ne suis pas pressé. Ça veut dire que je ne panique pas, je ne m'agite pas. Vous voyez, je suis calme. C'est ça, être assis. Tu es calme, tu es chez toi. Mais là, tu es dans une position spirituelle. Amen. Tu contrôles maintenant les choses. Que tous les démons qui te traquent, qui traquent ta famille, qui combattent ta famille, sache-le aujourd'hui. Que toi tu es assis dans le lieu céleste. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce que tu es cassé en Jésus Christ. Jésus est cassé en Dieu le Père. Et rien ne peut t'arriver. Parce qu'à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités de ta famille. Il les a neutralisés. Il les a désarmés. Et il les a fait prisonniers. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. Et autre chose que l'église doit faire, c'est développer et faire des déclarations spirituelles avec autorité. L'église doit aussi faire une bonne implication dans la société. L'église doit cesser de s'absenter dans les sphères de décision si elle veut aller loin et impacter la société. Car
mal, malgré la victoire de la croix, nous vivons comme si rien n'était accompli. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes dans les mondes. L'église doit s'infiltrer partout. Nous avons besoin de frères députés. Nous avons besoin de sœurs députés. Il faut étudier l'église a failli quelque part. Parce que l'église n'a pas formé les gens. Je vais dire à quelqu'un, l'église, Jésus revient. Mais si vous travaillez avec l'évangile que Jésus revient seulement, on n'a plus besoin d'étudier, vous allez vous leurrer. Il faut envoyer les enfants à l'école, à l'université. Il faut étudier, aller loin. Il faut postuler. Alléluia. Il faut avoir la position. On a besoin d'avoir des juristes, des médecins, des gens bien formés, des députés, des policiers, des gens qui sont partout, mais de l'église. De telle sorte que lorsqu'ils apprennent qu'il y a une mauvaise décision, lui va intervenir. Vous savez, cette décision, cette loi, ça prend le quorum. Le quorum, c'est 10 personnes. Parmi les 10, lui, il est là. Il s'oppose et il argumente bien, il convainc les autres. Ça prend que l'église ait des gens par-ci, par-là. Ainsi, nous aurons la victoire. Nous devons impacter la société. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je confesse la victoire de la croix dans ma famille. Si les dominations, si les autorités, si les principautés de ma famille, tous ceux qui veulent contrôler ma vie, qui veulent contrôler ma famille, sont sous mon pouvoir. Je domine au milieu de mes adversaires. Car l'esprit qui est à moi est un esprit supérieur. L'esprit qui est à moi est un esprit fort et puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korapakata iskanto. Dis Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma vie par ta puissance, par ta force spirituelle. Ouais-moi, viens me fortifier et tends ta main dans ma vie. Utilise-moi comme un canal de bénédiction pour tous ceux qui m'approchent, pour ma famille, pour mes amis, pour la société. Au nom de Jésus, que je domine, que j'exerce mon autorité, que je domine, que j'exerce mon autorité. Je chasse la peur loin de ma vie. Je chasse la timidité loin de ma vie. J'appelle un esprit supérieur. J'appelle la force du Saint-Esprit. J'appelle la force spirituelle. La force spirituelle, la force supérieure, la force de Dieu. Je t'appelle, Esprit de Dieu, viens envahir mon esprit. Alléluia. Kora shaparamaya korobosi karabaska. Koriba sepora sepora sketolobose kelebega. Kirobosi keteria mas kondolobos keperia kantolobosite. Koplo satabali kopo satamaye. Que le bosse calamaye la basse ko pour y escapatele lebeko. Que poli la basa. Que la puissance de Dieu coule, la machine qui coule dans ta vie, coule dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. Que le Seigneur continue à couler cette puissance dans ta famille. Qu'il continue à couler cela. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. Qu'il fasse de toi une femme de feu, un homme de feu. Qu'il fasse de toi un homme puissant qui t'ouvre les yeux spirituels. La katayaga. Qui t'accorde à ma chaîne pour raconter. Que l'esprit des yeux descende. Qui te libère. Qui te libère. Soyez libéré. Soyez libéré. Soyez libéré. Soyez libéré. Soyez libéré. Soyez libéré. Rabaya Sada. Qu'un des réponses si katarabasa.